L'exemple du Maroc est patent. Enfin, je veux dire, Hassan II, il a sabré le champagne lorsque Nasser a été défait en 67. Et ça, je le tiens d'un ami dont le père était gouverneur de Casablanca et qui était chargé de mission au Palais Royal. C'est un ami avec qui j'ai fait mes études. Très bien. Alors, en quatrième de couverture, tu écris, enfin, ou l'éditeur écrit, « Les puissances occidentales et la plupart des dirigeants arabes auraient souhaité régler le problème palestinien par l'effacement de ce peuple. Mais celui-ci n'a pas eu la délicatesse de disparaître de l'histoire. Ouais. » Alors, j'ai deux questions. Est-ce que tu es sûr que les pays arabes autour, auraient ou ont ou voudraient que le peuple palestinien disparaisse? Alors là, il faut faire une distinction. Il y a les peuples d'un côté et les dirigeants. Les dirigeants. Ah, les dirigeants, ils n'en ont absolument rien à fiche de la Palestine. Je veux dire, mais absolument rien. Ils ont utilisé la Palestine pour leur propagande interne. D'abord pour donner un os à ranger à leur peuple. On leur dit, oui, voilà, on va défendre. L'exemple du Maroc est patent. Enfin, je veux dire, Hassan II, il a sabré le champagne lorsque Nasser a été défait en 67. Et ça, je le tiens d'un ami dont le père était gouverneur de Casablanca et qui était chargé de mission au Palais Royal. C'est un ami avec qui j'ai fait mes études. Donc, le Maroc et les autres pays, tous les pays arabes, tous les dirigeants des pays arabes. Tous les dirigeants. Ça commence un petit peu à changer avec l'Égypte et la Tunisie, c'est vrai. Mais jusqu'alors, tous les dirigeants se soumettaient bon gré mal gré au diktat américain et donc collaboraient plus ou moins ouvertement avec Israël, avec le régime sioniste, alors que le peuple palestinien était sous la botte de l'occupation, était dépossédé. Et donc, c'est moi qui ai écrit d'ailleurs la quatrième, parce que je suis... C'est ça le drame aussi des Palestiniens, qui non seulement sont sous la férule d'Israël, mais ne reçoivent qu'une aide, comment dire, symbolique, qu'une aide verbale, et que, à la limite, les pays arabes, les dirigeants arabes, auraient été très contents que ce peuple disparaisse, ou qu'il devienne plus ou moins une espèce de Bantoustan dirigé par... Pourquoi ? Parce que les Palestiniens, lorsqu'ils ont commencé à s'opposer à Israël, à partir des années 50, ils avaient créé les Fedayin, et après les guerriers, etc. Les pays arabes autour et ailleurs ne voulaient pas de cette force révolutionnaire qui était en train de germer et qui avait un potentiel révolutionnaire, laïque, marxiste. Et donc, ils s'entendaient, ils fermaient les yeux, voilà. D'accord. جوج مثل بكاور هضره ياب هو هذا العام خرجوا
الكحول بلاد تعطب تون بسوريا وسطم يلي ما بحرر وما كمل خوف بسوريا ديكم معايا يلي فدكم ما بيش الخوف خف من البوليس على خف من الجماعة وخف من اللي عند الخوف خفوا من كل شي ما خفوا من الله هاكل الأول والتاني والتالت مزوز الفوق هاكل الأول والتاني والتالت مزوز الفوق تبع كلامهم حتى يسدوا فهمنا سدوا لينا فهمنا ولا سدوا فهمكم تنمي 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 البشرية نص العقليك ونص العقلية عندك وقت الموت وبلادي الغير عليها بغيتكم ما تخافوش لكن شو ما دايرين والو فيها الخايف زعما العايف زعما علاش زعما ما تشاركوش فيها واش عايف زعما خوف يطبى فينا من الجدود خاصة حيدو خاصة خدمو بلادنا ما نبقاوش غير عبيد للعقا فراكات مغربي والمغاربة سخان في دمهم اللي بغاو يشافوا ليا بلادي تشيري في دردينهم بسوريا وسطهم يلي مغاربة حرروا براكم الخوف بسوريا بيكم معايا يلي فدكم ما كاينش الخوف خف من البوليس على خف من الجماعة وخف من اللي عند الفلوس خفوا من كل شي ما خفوا من الله الفلوس اخويا غربة الموت باركم من خوف من اللي ماشي ولاد البلاد قال لي ما بغاش لي المزيان بعد ما نديرو بيه